Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Donc je vais improviser puisque je n'en ai encore jamais faite. Allez, on y va. Alors, le premier produit qui me tombe sous la main, c'est le gel douche Dop. Alors, je ne suis pas du tout habituée à acheter les gels douche de supermarché, je suis plutôt parapharmacie généralement. Là, c'est un gel douche que j'avais acheté pour mon fils qui partait en vacances de montagne avec son école. Donc, je cherchais quelque chose de doux, voilà. Et donc là, c'est le Dop au lait végétal des Pyrénées. Donc, je l'ai terminé, voilà, pour savoir un petit peu ce que ça donnait. C'est un bon gel douche qui sent le propre, en fait, tout simplement. Il sent le propre, il n'a rien d'exceptionnel, mais il est assez agréable. De là le racheter, je n'en suis pas tout à fait sûre parce que pour moi, ça n'est pas un produit plaisir. Mais c'est tout à fait sympathique pour les vacances ou pour partir en week-end. Voilà. Ensuite, un autre produit douche, parce que je suis assez fan des produits douche, vous le savez. Donc là, celui-là, je vous en avais déjà parlé, c'est l'huile lavante sous la douche Exomega de la marque Aderma. Donc ça, c'est une gamme qui est plutôt conseillée aux peaux atopiques, aux peaux sensibles. Et donc moi, comme j'ai mon fils qui a de temps en temps de l'eczéma, donc et puis moi j'ai aussi de temps en temps les jambes qui gratouillent, etc. Surtout l'hiver, donc ça ne peut pas nous faire de mal. J'avais déjà utilisé cette huile de douche il y a quelques mois, j'y suis revenue avec grand plaisir. C'est vraiment une huile de douche qui est extrêmement agréable à utiliser. Quelquefois on croit que les produits de parapharmacie ne sont pas des produits plaisir, certains le sont, et celui-ci en fait partie, je vous le conseille vraiment. Le parfum est extrêmement léger, mais très très agréable, la texture est confortable, vous n'avez même pas besoin d'appliquer un lait-corps ensuite, vous avez la peau douce, réconfortée. Je vous conseille cette huile à 1000% pour toute la famille. Ensuite, un autre produit douche, parce qu'on aime ça. Donc là, c'est un ancien gel douche de la gamme Noël 2015 d'Yves Rocher. Vous savez qu'ils sortent toujours des éditions limitées qui sentent très bon. Donc l'année dernière, c'était orange confite et cannelle. Vous retrouvez encore cette année la gamme qui est approximativement la même. Il n'y a pas de gros changements. Toujours des parfums de Noël avec, voilà, qui sentent un peu le pain d'épices. Bref, les gâteaux de Noël, les biscuits sablés, etc. Si vous aimez ça comme moi, vous pouvez aller au solde d'Yves Rocher. Je crois même qu'ils font déjà des ventes privées. Moi j'ai déjà reçu un carton à 50% et vous aurez ces gels douche pour 3 fois rien. Ils sont vraiment très agréables, tous les ans j'en achète au sol. C'est pour ça que je viens seulement d'en finir un et il m'en reste encore d'autres de l'année dernière. Donc cette année j'ai été raisonnable et j'en ai pas trop acheté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore pour la douche? Alors pour la douche, j'ai un gommage. À vous présenter un gommage bio. Alors là, ça n'est pas vraiment mon habitude, vous le savez, le bio et moi, au niveau de la cosmétique, ça n'est pas ça du tout. Je fais comme des allergies, je ne les supporte pas, je ne les apprécie pas, alors que pourtant dans la maison, dans la nourriture, dans l'entretien, je ne jure que par le bio. Enfin, pas exclusivement, hein, mais j'ai vraiment 80% de bio dans la maison. Et donc, j'ai testé ce gommage en y croyant à moitié et en fait, ça a été une vraie révélation. Je l'ai même prêté à une amie qui l'a gardé parce qu'elle ne pouvait s'en défaire. Et alors, c'est un gommage qui se présente en pot, comme vous voyez. C'est vrai qu'en tube, ça aurait été parfait. Franchement, il a des grains très fins, il a une texture onctueuse façon crème marron. Est-ce que vous aimez comme moi la crème? Donc je vous retrouve pour reparler du gommage, j'ai un problème de carte. Donc en fait je vous parlais du gommage de la marque Guérande, cosmétique naturelle des marais salants.
Et ça s'appelle Trésor millénaire. Donc je vous le conseille vraiment. C'est un gommage à la texture tellement onctueuse, tellement crème de marron, qu'on y puise les mains avec délectation. J'ai adoré gommer mon corps avec ce gommage. Malheureusement, il n'est pas économique du tout parce qu'il est tellement plaisant à utiliser qu'on a tendance à remettre les mains et du coup je l'ai fini en un rien de temps. Voilà. Donc vous le trouvez évidemment en magasin bio. Donc je continue sous la douche avec un shampoing que j'avais acheté cet été en vacances parce qu'il m'avait semblé vraiment adapté à la plage sur la côte d'Opale. Donc c'est de la marque Garnier, la gamme ultra doux à l'huile de monoï et de néroli. Et alors là, je n'ai pas l'habitude non plus d'acheter mes shampoings en supermarché. Mais ce shampoing-là est très agréable. Le parfum, évidemment, fait penser aux vacances, à la plage. Et la texture est extrêmement agréable. C'est une texture gel, mais assez épaisse, qui ne dégouline pas dans la main. Voilà, on en met floc-floc, une grosse motte de gel, on va dire, dans la main. Ça mousse bien, ça lave bien. Ça ne m'a pas desséché les cheveux, donc parfait. J'avais également décidé d'utiliser la gamme Garnier Ultra Doux pour mon masque pendant les vacances. Donc c'était aux huiles d'argan et de camélia pour les cheveux secs, parce que pendant les vacances, avec le sel et le vent, les cheveux ont besoin de quelque chose de plus nourrissant. Ça ne m'a pas fait graisser les cheveux. J'ai adoré ce shampoing, je vais y arriver, ce masque que j'ai acheté en duo en supermarché pour 3 fois rien. Il m'en reste encore un en backup que je vais m'empresser d'ouvrir cette semaine. Voilà, je vous le conseille vraiment. Il est onctueux, il est économique. Hein. Je l'ai utilisé pendant longtemps, donc c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Je n'ai pas l'habitude de vous parler de mes déos, mais c'est vrai que je suis vraiment accro aux déos Dove. Je trouve que ce sont les meilleurs, ils sont extrêmement efficaces. Les parfums sont très délicats et voilà, moi je ne veux pas sentir l'orchidée à 15 mètres, etc. Celui-là, il est très doux, je vous le conseille vraiment. Donc c'est le Beauty Finish au minéral nacré, sans alcool. Voilà, très bien et très tout petit format qui s'emporte partout. Alors ensuite, j'ai terminé au niveau maquillage un anti-cerne MAC que j'avais depuis une éternité. Et bon, malheureusement, j'en avais utilisé d'autres, toujours vouloir voir ce qui se passe à côté. Et puis du coup, je ne l'ai pas utilisé à fond, mais il a commencé à sentir de façon désagréable. Et donc, j'ai préféré le jeter. Je pense que là, il est périmé. C'était le Select Moisture Recover Cache Cerne NC15. Il était léger, couvrant mais pas trop, mais en même temps il ne fixait pas mes ridules sous les yeux, donc je l'aimais beaucoup. Je pourrais très bien le racheter. Je vous montre un petit peu comment il était. Il était en forme de gloss et donc pour l'application c'était vraiment bien. Il coûtait pas très cher, je crois que c'était dans les 14 euros chez MAC. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore dans ma petite boîte? J'ai un petit format que j'avais eu en commandant chez Clinique. Je vous conseille de commander chez Clinique, on a toujours des petites miniatures comme ça, extrêmement sympas, qui durent longtemps. Donc là, c'était le soin-yeux anti-poche anti-cerne qui s'appelle All About Eyes. Il m'a duré un petit moment. Il est extra, cet anti-cerne. Je pense que je le rachèterai la prochaine fois en grand format, en profitant d'une promo. Il est vraiment bien. Il me reste maintenant à vous présenter un sérum que j'avais acheté il y a quelques temps dans ma parapharmacie de la marque Sanoflore. C'est la gamme Rosa Angelica, donc qui sent vraiment la rose. Concentré d'éveil réhydratant, donc un sérum visage et yeux.
Alors, je ne l'ai pas terminé moi-même. C'est une amie qui me l'a terminé parce que je ne le supportais pas. Et il me piquait le visage. Je crois que j'ai fait une allergie à la rose. Ce n'est pas possible. Il sentait vraiment très fort la rose. Alors, je ne dis pas que c'est un mauvais produit. Mais par contre, je lui ai demandé est-ce qu'elle en pensait, mon amie. Elle m'a dit bah, écoute, mettre ça ou rien, moi, ça n'a absolument rien changé à ma peau. Je trouve ça un petit peu dommage parce que je crois que je l'ai payé dans les 30 euros. Donc, voilà, un flop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Tout tombe. Mais écoutez, je vais vous montrer ce que je suis allée chercher chez Yves Rocher hier. Évidemment, il y avait le petit carton mystère que j'adore. Moi, je ne peux pas tenir. Il faut toujours que j'aille acheter une petite bêtise rien que pour savoir ce que j'ai en cadeau. Donc, j'ai été un petit peu déçue. Hein, enfin, à moitié. Voilà. J'avais un petit coupon 50% sur tout le magasin sauf Point Vert. J'ai eu 50 ml du bain douche Ylang Ylang. Bon, c'est pas mal. Donc, et pour avoir cela, j'ai acheté un petit crayon pour la bouche. Je vais vous le montrer tout de suite. Bon, mais il était juste à côté de moi, hein, en fait. Donc, c'est le crayon Corail Doux que j'ai trouvé magnifique. Donc là, actuellement, sur les lèvres, je porte juste mon baume à lèvres Clinique et sur lequel j'ai appliqué le crayon contour Bobbi Brown en teinte beige. Vous voyez, moi, quand je ne sais pas quoi mettre, je mets ça, j'adore. Donc, je vais poser le petit crayon d'Yves Rocher. C'est un corail très lumineux, bon, qui ne tient pas non plus énormément, mais c'est rafraîchissant, c'est très sympa. Je l'ai payé 4,95€ à moins 50%. Donc, c'est pas mal. Par contre, Yves Rocher, si vous passez par là, arrêtez de nous donner des bêtises comme ça, parce que franchement, j'ai passé l'âge de recevoir des petits bracelets comme ça. C'est complètement inutile. Enfin, moi, je trouve que ça correspond à des petites filles de 7 ans, quoi. Il faut arrêter. Voilà, c'était mon petit ras-le-bol. J'en ai un petit peu marre d'avoir ça. Je préférerais avoir deux petits formats comme ça, hein. Ça serait largement mieux. Mais sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'ai un peu saccadé le rythme pour pas qu'elle dure trop longtemps. Et si ça vous intéresse, j'ai fait un petit maquillage très rapide avant de tourner la vidéo. Donc, je porte comme d'habitude le fond de teint Born to Face en teinte vanille appliqué à l'éponge physionomiste Yves Rocher. Je porte comme blush un mix de deux petits blushs Sephora que j'adore parce que le petit corail qui est ici est juste magnifique. Voilà, il est très doux. Et je porte sur mes yeux, comme quand je vais au travail et que je ne sais pas quoi porter, c'est l'ombre Hypnose Stylo de Lancôme en teinte Top Quartz, que j'ai mis en ras de cils supérieur inférieur. Et puis, pour ouvrir mon regard, ben en ce moment, hein, je suis folle de mon mascara Velvet Noir Marc Jacobs. Voilà ce que j'ai mis. Allez, je vous embrasse, à bientôt.